Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une très courte vidéo puisqu'une information vient tout juste de tomber en rapport avec Destiny 2. Donc à partir de demain, à savoir le 28 novembre, une version démo, c'est-à-dire une version gratuite de Destiny 2 sera jouable, toutes plateformes confondues, que ce soit sur PS4, sur Xbox One ou sur PC, et elle sera donc, comme je viens de le préciser, totalement gratuite. Alors elle sera limitée bien évidemment cette version, on n'aura pas accès à tous les modes du jeu, on aura une mission de campagne sur la zone morte européenne ainsi qu'une autre mission de campagne sur Titan. Vous aurez également le mode patrouille et le mode aventure disponibles sur deux mondes complets au total. Alors ils n'ont pas précisé lesquels, mais on peut supposer que ce sera la zone morte européenne et Titan également. Et vous aurez la playlist PVP pour ce qui est du mode lancement rapide. Alors il faut savoir que les fonctionnalités de clan seront disponibles et vous pourrez monter votre personnage à l'occasion de cette démo jusqu'au niveau 7. Alors bien évidemment, on suppose d'ores et déjà que cette démo sera disponible uniquement pour les personnes qui n'ont jamais testé et donc jamais installé le jeu sur les différentes plateformes. Et malheureusement, on n'a pas de précision en ce qui concerne une éventuelle heure de début de cette démo ou encore une date de fin et une durée spécifique pour cette démo. Dernière précision juste avant de quitter, pour tous ceux qui souhaitent de plus amples informations et un peu plus de détails sur toute cette opération, vous trouverez le lien direct du site et de la page en question dans la description de cette vidéo. Donc c'est les seules infos que nous ayons, voilà, on sait juste que le jeu sera disponible gratuitement pour tous ceux qui ne l'ont jamais testé à partir de demain, le 28 novembre, en version fortement limité. Donc maintenant, je pense que c'est une démarche qui a pour but de ramener des joueurs sur le jeu, puisqu'on le sait, Destiny 2 est assez déserté depuis quelques temps. Donc l'idée n'est pas trop mauvaise en soi, même si je trouve qu'elle intervient un petit peu tardivement. Donc on va regarder ça d'un œil un petit peu éloigné, voir comment ça va prendre. J'espère que ça va ramener un petit peu de monde sur le jeu, mais je ne suis pas totalement convaincue par la démarche. Donc comme on dit, wait and see. Donc voilà, c'était la petite info du jour. Destiny 2 disponible pour tous ceux qui ne l'ont pas encore testé. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, prenez soin de vous, ciao tout le monde! Votre race est faible. Mais si nous attaquons tous ensemble, nous pourrons reconquérir notre planète. Je vous écoute, gardien.